Nous pensons que la fête de l'indépendance, ou 49e anniversaire de notre pays, à son accession, donc l'accession à l'indépendance, bien à la souveraineté internationale, c'est une très grande fête. Moi, je peux dire que si le pays, sur d'autres plans, dépend encore de l'extérieur, économiquement, financièrement, parce que c'est ce que vous venez de dire, et je ne sais pas, mais sur le plan religieux, je trouve que l'Église au Congo est mature, l'Église au Congo présentement est indépendante. Un exemple typique que tout le monde connaît, c'est l'exemple de Mosé Laurent Désiré qui a parlé de la prise en charge. Donc il a parlé de l'autoprise en charge. Donc c'est là aussi, théologiquement parlant, donc l'Église doit savoir se prendre en charge et ne pas dépendre de l'extérieur sur tout le plan. Vivant dans un monde complexe qui est interactionnel et surtout avec le mouvement de la mondialisation qui rend le monde pratiquement au niveau de village planétaire, on ne peut pas ne pas dépendre des autres éléments avec lesquels on interagit dans son existence.